Yo les gars, c'est ici, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Stumble Guys et parce qu'il y a un événement Lapin Crétin. Alors cette vidéo je l'avais déjà tournée mais malheureusement je l'ai jamais publiée parce que je trouve qu'elle était un peu nulle. Donc on va la refaire et donc c'est parti. Donc on va un petit peu regarder tout ce qu'il y a de nouveau. Mais avant, on va tout de suite tourner des roues gratuites. Le son il est un peu fort je trouve. Ok, premier truc gratuit. Oh la banane, ça serait trop bien. Ah dommage. Après je l'ai déjà donc c'est pas grave. Hop, on continue. Et je vais vous montrer évidemment les gars comment avoir tous les skins lapin crétin gratuits. Et je dis bien gratuit, c'est à dire que vous n'aurez pas à payer. Ok, 10 gemmes c'est très bien. Et la dernière roue. Allez, un truc sympa. Allez, 10 gemmes encore ça serait bien. Ah, un jeton c'est pas ouf. Ok. Attendez les gars, on se retrouve dans 5 secondes, je vais baisser le son parce que je le trouve trop fort. Ok c'est bon, j'ai baissé le son. Alors déjà ce que je vais vous montrer les gars, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. Alors vous avez la roue naturelle en ce moment qui est pour avoir ces deux skins là. Mais c'est pas ouf les gars, je vous conseille pas. On a la roue avec plein d'émoticônes, c'est assez rigolo mais je vous conseille pas. Et après on a plein de packs dont un pack pour avoir une émoticône lapin crétin. Donc c'est peut-être le meilleur pack les gars, si vous voulez un pack je vous conseille celui-là. Avec des ventouses, là on peut voir encore des ventouses et encore des ventouses. Sauf que les gars ce qu'il faut savoir c'est que les ventouses vous pouvez en avoir gratuitement. Vous voyez que j'en ai pas mal en haut. Et vous pouvez du coup acheter pas mal de choses avec ces ventouses. Et je vais vous montrer après comment avoir plein de ventouses facilement et gratuitement. Mais avant je vais vous montrer un petit peu les récompenses. Donc on peut avoir une traînée lapin crétin. Donc vous aurez des petites oreilles qui sortiront du sol en traînée. Vous avez un skin lapin normal, le lapin crétin de base. Le lapin crétin squelette qui est mon préféré je pense. Enfin l'un de mes préférés. Le lapin Stumble Guys. Le lapin Stumble Guys qui est rigolo mais moi je l'aime pas trop. Le lapin Sensei, pareil, je l'aime pas trop. Le lapin surfeur, lui je l'adore parce qu'il a une planche de skate. Et on a aussi le lapin doré qui coûte 5000. Donc lui c'est le meilleur et c'est un skin spécial. Évidemment on récupère aussi des petites gemmes, c'est gratuit. Et on va directement regarder vite fait les gars à quoi ils ressemblent les skins dans la boutique. Pardon, pas dans la boutique, dans le casier. Alors où est-ce qu'ils sont? Je crois qu'il y en a deux épiques. Hop, où est-ce qu'ils sont les coquins? Alors attendez les gars, parce que c'est assez dur. Ok, donc le premier il est là, le rapin, non pas rapin, lapin, le rabbit normal, le rabbit skeleton qui est très sympa, moi j'aime beaucoup. Ensuite on a évidemment le sensei qui a des petites fleurs etc, il est très rigolo. On a lui le surfeur qui est incroyable, le stumble qui moi j'aime pas trop. Et on a celui-là, le spécial. Du coup voilà, c'est parti, on va aller directement dans le mode, vous devez cliquer juste là les gars. Si vous cliquez sur jouer... Merde, non, non, non. Waouh. Ça a failli me lancer une game. Donc il faut aller juste là. Et là, vous voyez que vous avez encore 3 jours pour faire tout ça. Et donc vous appuyez sur jouer. Et en gros, je vous explique. Si vous perdez la première manche, je crois que vous gagnez genre 15... Enfin, vous gagnez vraiment pas beaucoup. Si vous perdez sur la deuxième manche, vous allez gagner, je crois, 50 ventouses. Si vous perdez sur la troisième manche, donc la finale, parce que c'est la troisième manche, la finale, vous gagnez 100 ventouses. Oh, regarde tous les skins. Ouais, c'est une dinguerie. Vous gagnez 100. Et si vous gagnez sur la manche finale, les gars, vous gagnez 200. Mais il faut gagner, donc c'est très dur. Hop. Donc là, les gars, on va se focus. Vous voyez qu'il y a plein de ventouses, les gars, mais je les récupère pas. Pourquoi je les... Non, mais il y a un mec qui m'a bloqué. Ouais, j'ai trop le seum. Pourquoi je les récupère pas les ventouses les gars? C'est très simple. C'est parce que vous en avez pas besoin. C'est à dire que si vous vous faites chier à récupérer toutes les ventouses sur la map, ça va être chiant. Et en plus des ventouses il y en a genre une à chaque fois tu vois. Genre il y a vraiment genre 10 ventouses sur la map. Et donc on s'en fiche un petit peu. Ok. Hop. Donc j'espère que vous avez compris. Vous ne devez pas récupérer les ventouses. Vous devez juste jouer les gars. Hop. Et vous devez, ce que je fais les gars, c'est que je lance à l'infini des parties. Et dès que je suis à la finale, je saute dans le vide. Parce que la finale c'est tout le temps très long. Et en plus, c'est que le vainqueur qui gagne 200. Donc à moins que vous êtes un pro, si vous n'êtes pas un pro, je vous conseille de faire exprès de perdre à la finale. Comme ça vous gagnez 100 ventouses au lieu de 200, c'est déjà mieux. Et si vous faites 50 parties,
50 parties à la finale, vous allez obtenir le skin spécial. Donc c'est assez rapide. Il y a un seul mode de jeu qui est bien pour récupérer des ventouses, les gars. C'est le mode de jeu où faut bah, tout simplement récupérer des ventouses, hein. Parce qu'il y a un mode de jeu, tu dois récupérer des ventouses et tu peux en récupérer facilement 70 ou 80. Et donc ce mode de jeu, c'est le meilleur. Hop, on se focus, les gars. On fait attention de ne pas perdre. Oh, il y a un mec, il est passé direct. Lui, il a pas peur. Non, 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 s'il te plaît. Wow, la dinguerie! Oh, la dinguerie! Ouah, frère, c'est une dinguerie. Si je suis disqualifié, bah je vais être disqualifié. Ouah. Frère, c'est une dinguerie. Non, quoique. Oh, let's go. Oh, j'avais trop le seum, les gars. J'avais trop le seum. Tout le monde dépassait, sauf moi. Je me suis pris le marteau. Oh, vous imaginez pas comment j'ai le seum. Donc là, vous avez vu que il y a déjà eu deux manches. Et là, c'est déjà la finale. La finale, c'est toujours trois manches, les gars. Je vous promets, toujours trois manches. Et donc, dès que vous êtes à la troisième manche, vous sautez dans le vide. Comme ça, vous perdez pas de temps. Bon, là, pour la vidéo, les gars, on va évidemment jouer la finale. Mais vous, les gars, ce que vous devez faire normalement, c'est hop, vous sautez dans le vide, bam. Et comme ça, la finale, elle se termine direct pour vous. Et comme ça, vous relancez une game. Parce que regardez, là, le temps que la game elle se finisse, je vais perdre déjà. Je vais perdre 3 minutes, 4 minutes. Ça va être super long. Et vous voyez qu'il y a déjà un mec qui est dans le vide. Vous voyez qu'il y a un éliminé parce que le mec il a sauté dans le vide. Il connaît la strat lui. Je pense que c'est un pro. Mais voilà. Au moins vous savez la stratégie. Vous sautez dans le vide et vous recommencez la partie. Allez, c'est parti. Nous on va essayer de gagner pour la vidéo. Et puis si jamais vous êtes un pro les gars, bah essayez de gagner les victoires. Mais c'est juste que ça va vous faire perdre du temps en fait. C'est juste ça. Mais si vous avez tout le temps. Bah alors faites-le. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille la technique. Hop. Pourquoi il me fait tomber lui? Allez les gars, il reste 3 mecs, on peut peut-être le faire. Là on essaie de se frapper les uns les autres. Oh le bâtard. Oh il est pas tombé. Allez, je peux le faire, je peux le faire. Allez, on y croit. Ok, un de moins. Let's go! Bon les gars, j'ai joué ultra ultra toxique. Ne faites pas comme moi, c'est très toxique. Mais du coup, vous allez voir que j'ai gagné 200. C'est la première fois que je gagne une game dans le mode lapin crétin parce que d'habitude je quitte toujours la game. T'as l'animation, elle est rigolote en plus. Et donc là, vous voyez, plus 200, c'est là qu'il faut regarder, d'accord? Où il y a ma souris. Et d'habitude, si vous perdez la finale, il y aura marqué plus 100. Et en bas ici, c'est le nombre que vous avez récupéré en courant. Mais il n'y a qu'un seul mode qui est bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, pensez au code créateur NC sur tous les jeux. Allez, ciao!